On est sur quoi maintenant? On est sur la trilogie, donc avec la 9-3. On a la Berlin. Tadam! La masterclass que tout le monde s'arrache. Que personne n'arrive à choper à un prix abordable. Mais c'est la vie. Pour la petite anecdote, même ma fille l'a acheté. Je lui ai offert, elle la voulait. C'est la meilleure, elle a dit. Il y a des couleurs, c'est trop de couleurs dans une seule paire. C'est magique. Je pense que celle-là aussi, elle va prendre une valeur inestimable. Incroyable. Ça fait toujours un effet, c'est incroyable. Alors pour la petite anecdote, j'ai changé les lacets parce que les lacets originaux, ils étaient un petit peu durs au niveau des... Donc on pouvait plus trop les bouger comme on voulait. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre des lacets secs et puis voilà, ça passe. Nickel. J'espère qu'on va s'en sortir pour les machins. Ouais, les pelles. C'est une des meilleures, celle-là, dans la trilogie. Incroyable. Bah, bientôt, on a fini. On a enfin la Brixton qu'on vous a montré tout à l'heure avec la... Avec la... Bah, avec la Grady. Et je m'étais amusé à mettre un petit mousqueton comme ça. Je trouvais ça très joli. Allez, courage, il en manque plus que deux. Même pas. C'est la dernière à montrer. Et on a fini. On remercie à Ketchup Mayo là. Ah non, il n'y a pas de mayo. Avec des frites. Ketchup frites. Doucement là! C'est pas bien de mettre ces chaussures comme ça. Et je me suis fait un petit kiff. J'ai mis des beaux petits lacets là. Voilà. Mais je crois que dans l'autre. Attendez, je vais vous montrer un petit détail. Ouais, j'ai acheté ça, c'est pas mal aussi. Ça peut remplacer votre lacet OG. Ça peut être sympa. Voilà. Je trouve ça original. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça se vend chez Nike. Et puis du coup, c'est très lourd, c'est du métal. Je trouve que ça fait bien le rappel OG des lacets. Il manque juste le petit côté rouge et c'est bon. Voilà, une très belle paire qui est sous-cotée. Je comprends pas. La Brixton, voilà, elle s'arrache pas. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment un beau modèle. Avec une simili crocodile là. Je comprends pas. Peut-être qu'avec le temps, les gens changeront d'avis. Là, je pense vous avoir fait kiffer. Hein. Et je voudrais aussi vous montrer un petit coup de cœur que ma femme a acheté et que j'adore. C'est la Dunk Low. Vaudou, voilà, très joli modèle, je pourrais pas vous l'essayer, mais incroyable comme modèle. Très très mignon, très girly, avec plein de petits détails intéressants. Regardez, quand on retourne, on a Vaudou derrière. Les souches sont à l'envers, il y a des trucs qui sont dépareillés, c'est vraiment fun. Hein. Incroyable. Par contre, il y a beaucoup de fakes. Hein. Alors, faut faire très attention. Hein. Même dans ces modèles-là, on a beaucoup de fakes. Bon, bah voilà. Je pense vous avoir fait kiffer. On reviendra pour les dernières aussi que j'ai eues. J'en ai eu quelques-unes qui sont en nettoyage. Et voilà. Donc, 29 minutes, c'est quand même pas mal. On a fait le taf. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah n'hésitez pas à regarder avec des pop-corn la vidéo de 3 heures avec toutes mes sneakers. C'est un régal de partager sa passion. Voilà. Allez, je vous dis à très vite.